Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Et nous sommes sur Vald, la planète des neiges. Du coup, on va aller s'intéresser à tout ce qui se trame là, de ce côté. Parce qu'on a un peu vu beaucoup de choses dans ce secteur, du coup on va s'attaquer à tout ça. J'espère qu'on va découvrir des bonnes petites surprises. Et oui, je vais m'attaquer aussi au rétablissement de la planète, hein, bien évidemment. Parce que y a pas photo. Il faut qu'on la rétablisse, cette petite planète. D'ailleurs, si vous voulez voir, je suis à 29% de viabilité. Donc ça va, ça augmente tout seul et très vite. Hein. Vos actions vont faire en sorte que la planète retrouve un peu de viabilité. Là, il y a encore un truc de carte. Donc on va s'arrêter ici parce qu'il y a un petit point d'intérêt. Donc pour commencer. C'est vrai que j'aurais dû prendre Jal aussi. En fait, l'arme des cartes est plus puissante, hein, je crois. Vraiment plus puissante, parce que même là, j'ai du mal à... Voilà, on a eu un petit peu tout ce qu'il fallait. Mais donc, vous rappelez les... Ah bah c'est bon, c'est résolu. Les architectes, là, que je vous en parlais, bah logiquement, il y en a un aussi ici, et peut-être sur chacune des planètes, et du coup ça m'inquiète un petit peu parce que je me dis que s'il y en a ici, on n'est pas dans le caca, surtout si je dois les battre dans une atmosphère de neige. Enfin bref, on verra bien. Allez, plus vite. Hein? Des quoi? Des piliers reliquats? Ah non, des pires reliquats, je crois. Je crois que c'est ici, hein, qu'on les a vus. Signant carte, droit devant pionnière. Pionnière, je détecte un camp carte à proximité. Ouais, bah oui, je sais, ils sont là. Je suis obligé de me les faire en sushi, les gens. Et reviens pas, espèce de sale bête. Oups. Donc il y aurait un signal ici? C'est ça qu'il m'a dit, Jean-Louis? Il n'y a que dalle, en fait, ici. En fait, quand il dit qu'il y a un signal, c'est pas un signal du truc, c'est un signal de camp. Voilà. Mais attendez, il y a deux... J'ai deux faisceaux d'activer. De souvenirs. Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre D'accord. père. D'accord, bah, ça on ira plus tard. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. En fait, je vais faire une petite compile. Donc là, on a le poste. Nous, on va se diriger maintenant vers là pour activer un autre monolithe. J'espère juste qu'on va pas se les glacer. En tout cas, c'est bien, c'est pas comme sur Eos où... Où ils nous interdisaient l'accès à la planète, si vous vous souvenez.
Et en fait, ça m'avait un peu gavé d'ailleurs. Mais là, il a activé le truc. En fait, il y avait les radiations que vous pouvez pas passer. Alors là, ce serait un peu court de me mettre du froid. Pionnière, ce citrolica a peut-être des systèmes de défense. Ouais, bah qui se les garde, moi je vais pas là. Waouh. Vous avez vu cette crevasse, les amis? Bah donc, moi, pour moi, il a activé, hein. Je vois même pas pourquoi on vient l'activer, en fait ça doit être un bug, c'est pas possible. Ennemi droit devant. Ok, je vais passer à travers avec style, en fait je me fais bien embarquer. Ouh, allez, un au moins. Je sais pas si c'est là ou là-haut qu'il faut aller, mais... Bon, écoute, on va y aller à pied parce que là, ça craint du poney. 92 mètres. Bon, moi, j'ai vu qu'il était activé, donc c'est un peu cloche. Minéral non répertorié dans les environs pionnières. Ah ouais? Où? Ok, déjà là on voit les symboles, c'est pas très catholique. Oui, oui, je sais, je dois aller plus doucement, mais j'ai du mal franchement à aller plus doucement. Donc il y a la glyphe, je la vois de l'autre côté. Ça c'est scanné. Alors, on a un hiéroglyphe de scanner. Moi, je cherche toujours le... ma pierre précieuse. Donc là-haut, je peux avoir le... Attendez, ouais, je suis bête. Oh purée. Qu'est-ce qui se passe? Qui s'est planté? Ah bah, il y en a deux ici. On devrait avoir assez de glyphes. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va activer tout ça. Par contre, si c'est un sudoku à faire, je suis dans le caca. J'ai plus de clé de décryptage. En plus, avec toutes ces combinaisons, c'est un peu la merde. Alors du coup, j'ai été voir une aide, parce que franchement, je déteste les sudoku. Hein. Je vous le dis tout de suite, je suis pas un fan de sudoku. Loin de moi l'idée, surtout du sudoku comme ça. Alors là, c'est encore plus galactique. Je sais pas, enfin voilà, je veux bien savoir que c'est un truc extraterrestre ou quoi, hein, mais bon. Ici. Normalement, je suis bon. Ah. L'interface a échoué, pionnière. Les systèmes de défense s'activent. Un échec. Oh,
la merde ce truc. Bon, il m'énerve lui. Purée. Bon, reprenons, c'est pas très... En mouvement. Oh purée. Il est bugué le monstre. Ah fuck. Minéral non répertorié dans les environs pionnières. Ah du coup je dois refaire tout ça. Ah mais ça c'est vraiment mal fait, il y a eu ces bugs chelous, les amis. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi, voilà, je me suis planté au Sudoku. Ah ouais non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait là je peux les réactiver, d'accord, ouais c'est un peu con. C'est un peu méga con. Ah d'accord, en fait il faut bien... Je crois qu'on devrait chercher d'autres symboles. C'est du n'importe quoi, ils me disent que c'est déjà ciblé et en fait non. Race it! Bingo! Voilà, on en a activé 3. 2, pardon. Ah, il est là. Voilà, on a scanné les minéraux. Donc, toute cette zone-là, maintenant, ici, les amis, c'est fini. Bon, on va aller voir ce lieu. Hein, ce lieu-ci, voilà. Mais c'est ouf, hein. Waouh. Ah, le Sudoku, là, j'ai horreur de ça. Surtout que là, en plus, il y a un mob qui a été bloqué dans le décor ou je sais pas quoi. Alors, du coup, faut heureusement qu'on peut recharger, mais voilà, il faut rescanner. Et enfin, moi, il me disait que c'était scanné, pas scanné. Enfin, bref, c'est un peu, hein. Waouh. La température est en baisse, pionnière. C'est que ça tire ces bêtes-là. Donc c'est ici le lieu que je dois voir.
quelque chose, ces nuages? Ouais, il passe sous ma roue, lui. Voilà. Ça c'est cool quand ça se passe comme ça, les amis. Bon, maintenant qu'on a vu... On a un autre ? Ils se fichent de moi, les trucs. On va passer par là. Sera plus prudent. Il y en a même deux points d'interrogation, les amis. C'est quoi votre avis des trucs care, des... C'est en dessous, donc on va faire un petit plongeon. Pionnière, je détecte d'étranges relevés venant du site reliquat voisin. Il serait peut-être sage de l'examiner. D'accord, le relevé... D'ailleurs, on va faire ça. Tu pouvais pas te TP jusqu'au bout. On pouvait pas se TP jusqu'au bout. Par contre, là, j'ai pris super froid. Voisin. Ils appellent ça quoi le truc voisin? On a un double? Ah, ici peut-être. Hé, hey, humaine, vous êtes suicidaire? Si vous me voyez, montrez-vous. Vous ne pourriez pas me voir de toute façon. Holger, de la Résistance, je suis embusqué à 2 km de vous. Vous êtes au milieu d'un champ de mine Kert. Vous n'avez pas vu la balise d'avertissement? Il faut croire que non. Cela explique l'étrange relevé que j'ai détecté. Une balise codée. Je n'en reviens pas que vous n'ayez déclenché aucune mine. Je ne sais pas non plus comment vous allez sortir de là. J'ai des TP. Un scan devrait indiquer l'emplacement des mines. On peut déclencher les mines à distance en tirant dessus. Faites vite, les patrouilles Kert passent régulièrement. Si vous y restez, je dirai à la base où trouver vos dépouilles. Sympa. Sympa, un champ de mines. Ah oui. Maintenant, on est au courant des mines, c'est ça? Ah, ça me rappelle une mission, ça, dans Mass Effect 1. Bon, de toute façon, nous, on veut aller là, mais... En tout cas, les amis, c'est ici qu'on va se quitter. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite, et portez-vous bien. Bye bye!